Ça, c'est les moules maliques. Donc, chacun représente une sorte de fonctionnaire entre un portier, un serveur, un policier, un gendarme, enfin, ce truc-là. Et c'est, ça paraît bizarre comme forme, mais c'est des formes qui servaient à faire les costumes, en fait. C'est comme des patrons. Donc, ils les appellent les célibataires. Enfin, c'est toute la réflexion entre le grand, enfin, sur le grand verre entre l'homme, la femme, la mariée mise à nu par les célibataires même. Enfin, il y a tout dans le titre, c'est-à-dire le désir permanent de la femme. Et si la femme est machine et femme permet l'évolution, c'est le désir permanent de l'évolution. Donc au sein du grand verre, c'est son sujet de quotidien, enfin vraiment de réflexion, c'est toujours la même chose, la relation à la femme, l'homme, l'évolution et la technique qui est générée, qui nous emmène, qui nous porte. D'ailleurs, si on réfléchit vraiment, l'homme n'a pas vraiment évolué depuis la nuit des temps, seule la technique évolue au travers de l'humain, et donc quelque part l'homme est le vecteur de la technique. Parce qu'aujourd'hui, on vit vraiment dans un principe de société techniciste. Mais il n'y a que la technique qui évolue au travers de l'homme.